Salut à tous, c'est Alex le serveur et l'on se retrouve dans notre joli quartier pour s'occuper de Mylène Farmer, qui vient d'emménager, je vous le rappelle, et qui veut mener une grande carrière de star, de célébrité, de superstar grâce à l'extension Superstar. Et ben, notre objectif, c'est donc de réussir cette carrière. Et c'est pas forcément hyper évident, néanmoins, je tiens à attirer votre attention sur le fait que sa maison ressemble enfin à quelque chose. C'était pas forcément le cas avant. Là, on a un truc qui commence à... Bon, c'est pas non plus hyper bien meublé, hein, c'est certain. Mais ça va. Ça va, on commence à s'en sortir. Alors, il nous faut des amis célèbres. Hein. Il nous faut 2 points de célébrité en amitié. Il faudra qu'on se rapproche de Sybille un peu plus. Et qu'on travaille notre charisme et notre physique. L'amitié, vous le savez, c'est ce que j'aime le moins travailler. C'est très énervant. Mais bon. Oh, cette télé qui fait du bruit, c'est pas possible. Dès que possible, tu vas faire un petit pissou. Et tu vas m'éteindre ça. Allez, un petit déjeuner. Retour au pissou. À la douche. Ouais, sa nourriture est pas très... On va s'acheter un robot dès que possible. Ça va améliorer la... Ça va améliorer son humeur. Alors les films d'action, elle kiffe. Ça va améliorer son appétit en fait, du coup avec le robot. 6h, ça fait un petit peu tôt pour appeler Sybille. 7h, je pense que c'est bon. Tut. Invité. Invitons Sybille. Voilà. Avec plaisir, on va lui servir à manger. En plus, ça lui fera gagner du temps d'avoir un robot ménager. Est-ce que j'ai pas les... Non, ça va. Pas de facture à payer, on verra plus tard. Donc vous êtes très nombreux à apprécier du coup la vie de Mylène. Je pense que j'ai une bonne idée en créant un nouveau personnage pour lancer ce nouveau let's play, enfin cette nouvelle extension plutôt. Et je ferai pareil, parce que j'avais déjà en tête de faire pareil sur Abracadabra, la dernière extension des Sims 1 déjà. Et du coup, voilà, il y aura une... Ce ne sera pas un personnage seul, ce sera une famille de 3 personnages. Et une autre où il y aura beaucoup d'enfants. Je ferai 2 nouvelles familles pour Abracadabra. Des familles de sorcières, donc vous pouvez essayer de trouver. Il y aura 2 familles différentes de sorcières. Elle est papotée, là. Mais elle parle même pas. Super. Écoute ses vantardises, allez. J'espère que ça va te plaire. Non, ça te plaît pas. Ok. Parle à faire. Fais-lui des compliments. Ça marche pas du tout. Rejoins-moi, voilà. Statue de star, ça lui avait plu. Il demande un autographe peut-être. Complimente-la encore. Si on arrive à devenir amis... On aura des nouvelles interactions du coup, ce serait très bien. Elle est déjà fatiguée. Oh là là. Ok, elle veut plus d'interaction. Bon. 52, on sait que elle par contre, elle a moins avec nous, c'est un peu embêtant.
Éteins ce truc. Pipi dodo. Et demain, boulot. On a besoin de sous quand même. On la gondine. Je pense que oui, t'as le temps d'aller faire un petit pipi. Un peu de télé. Parfait, là on est bon. Direction Studio City. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse au fait comme boulot? C'est des photos. Ah oui, c'est vrai, c'était les photos de mode. Oh, on a les factures à payer en plus. Ah, elle a pris un paquet de chips. Oh, quelle filoute. Pas besoin de prendre un paquet de chips quand même. Allez. À l'étage. Posé en maillot de bain. Tac. Allez, Mylène. Faudrait qu'on lui trouve une robe qui lui aille quand même, parce que celle-là, ça fait un petit peu sombre et je voudrais l'utiliser pour mes autres personnages qui vont arriver dans la prochaine extension. Ce sera pas encore pour tout de suite, hein. On va faire un petit peu de... On va retourner un petit peu jouer un peu avec Lou et Florent, on va reprendre aussi après avec Mylène. Il faut vraiment qu'on arrive loin avec Mylène et puis après on pourra passer sereinement à Abracadabra. Alors allez, énergique, énergique, énergique. Bon, c'est pas énergique. Oui, deuxième énergique. Ah non, pas du tout. Il avait l'air content, mais pas du tout. Pas du tout, donc. Donc, zéro énergique. Ok, bon. Séduction, séduction artistique. Allez. Ça, ça a l'air bon. Séduction. Ah, c'est donc c'est séduction artistique. Séduction artistique artistique. Ok, et eh ben on va être bon du deuxième coup. Même du troisième en fait, je suis bête. Je pense que si on réussit bon du premier coup, alors il faut un petit peu de chance quand même, on gagne plus de sous. Donc ce serait bien qu'on y arrive avec un petit coup de bol. Quand même, ce serait pratique d'avoir des sous. Parfait. Voilà. Sans. C'est pas énorme, hein. Si on veut un robot et payer les factures... Se faire étreindre, mais je connais pas cette personne. Mais si un autographe, ah, c'est un fan. On commence à avoir des fans un peu envahissants. Allez, Handy. Artistique, énergique, artistique. Allez. C'est très artistique, effectivement, donc pas artistique du tout. Donc, pas énergique en deuxième. Donc, pas du tout. Pas du tout.
Donc j'ai fait artistique, énergique, artistique. Je vais faire énergique, artistique, énergique. Donc énergique, oui. Oui. Et bien parfait du deuxième coup. C'est fini. On a fait ce qu'on a pu, mais il va me falloir du temps pour m'en remettre. Un peu plus de sous. 222, donc vous voyez, ça rapporte beaucoup plus. Si on avait de la chance pour faire du premier coup, ce serait parfait. Allez, soyons inspirés. Séduction, séduction énergique. Allez. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Artistique, artistique, séduction. On a artistique. Artistique. Et du deuxième coup, c'est génial. Oh, c'est parfait. Allez, vas-y. Encore. On peut là, on peut, on peut. Énergique, artistique, séduction. Donc c'est énergique. C'est artistique. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Donc c'est énergique, artistique, artistique. Et bah c'était énergique, artistique, énergique. Ryer. Un petit peu de sous. 200 cette fois-ci. Mais c'est génial. Vous savez qui joue à Tetris là pendant ce temps, ou à Pong ou je sais pas quoi. Énergique, artistique, artistique. Allez. Donc c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Pas du tout. Séduction, énergique, énergique. Donc séduction. Non, j'ai oublié. Bah attends. Bah c'est séduction, séduction, séduction du coup. Parfait. 200, mais c'est merveilleux. Oui, là on commence à être fatigué. Par contre, on ira peut-être faire du blabla. Est-ce qu'elle est célèbre, Mia? Il y a Martial. Il y a Martial là, qui est un peu plus célèbre. Occupe-toi de Martial plutôt. Allez. Ce bon Martial. On va poser pour la photo auprès du paparazzi pour voir. Ah non, il veut pas. Il veut pas d'autographe. Méchant Martial. Bon, on y est presque avec Sibyl, hein. Bon, paparazzi, il s'en fiche. On va rentrer. On va rentrer. Allez. Alors, la coupe de cheveux et la robe, ça va pas du tout. Martine, Martine, c'est très moche, Martine. On regardera si on peut essayer les vêtements. Vous vous souvenez, d'un coup, ça nous a fait bugger. Donc, bon. Peut-être pas cette fois-ci. Je testerai quand même, voir si ça fonctionne désormais. Alors, peut-être des robes un peu plus intéressantes. Allez. Oui, faut que tu snack. Retour à la maison. Tu peux prendre le courrier déjà. Comme ça, on verra combien on doit. 147, ça va. Allez, va te coucher. Je m'en doutais. Ok, alors, mode achat. Tout de suite, le robot ménager. Voilà.
Et un petit lavabo parce que ça m'énerve qu'elle fasse tout le temps les allers-retours. Il nous reste plus que 400. Quelle tristesse. Bon, on va s'arrêter là. Un lavabo et un robot ménager. Bon, c'est déjà ça, on améliore la maison petit à petit. On va pas se plaindre. Faudrait bien améliorer son lit aussi, parce qu'elle passe tellement de temps à pioncer. Hop. Elle est en pleine forme. Voilà. Un petit déjeuner. Ah voilà, c'est... déjà c'est un peu mieux. Faudra aussi changer Attends. Appelle Sibyl et invite-la à regarder la télé avec toi. On est presque amis là, on est presque amis, allez. Faut que je remette des fenêtres aussi quand même. Arrête de prendre de la bouffe. Ah voilà, regarde, Sibyl arrive. Serre-lui la main. Oh, Van Vlensen. Papote un peu avec elle pour voir. Dis-lui. Demande-lui un autographe. Non, pas les vantardises, elle aime pas ça. Fenesne. Ah, oh, elle veut pas cette fois-ci. Ah, oh, la sale bête. Bon, viens regarder la télé. Arrête avec tes vantardises. Allez. Allez, vas-y, monte. Super. Ça y est, combien de points? 4 points. Elle est vachement célèbre, Sibyl. Super. C'est parfait. Donc là, ça y est. On a des interactions normales. Donc on peut parler sur ses passions. On peut faire des trucs tout à fait classiques. On va lui faire à manger, voilà. On papote tranquillement comme deux copines. Elle est où? Oh, pipi. Donc, si tu veux. Elle remange. Non, on va pas prendre un bain alors qu'elle est là. On parle de ses passions. Elle va vouloir faire pipi. Vous reprendre à manger. Fais un peu de sport, tiens. Non, du sport. On va essayer de tout travailler pour passer justement au niveau suivant. Ah. Je vais lui dire au revoir. C'est pas grave, on est amis avec maintenant, tout va bien. Donc demain on travaille les deux points, on va au studio. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des... J'ai entendu des insectes. Ah! Pourquoi tu t'es réveillé? Ok. Charisme. Elle va être trop crevée. Voilà. Et hop, dodo. Ah, c'est bien ça. Là, c'est bien. On est bien parti. Et avec Sibyl dans la poche, franchement, on a fait une bonne affaire. On a bien visé avec Sibyl. Brigitte, on tentera d'avoir Brigitte après. Ah.
Hop là. Ok. On dîne et Pierre et Sacha. Vanana. Alors, regarde vite fait la télé. Allez, vite fait vraiment. Finis-moi ces points. Parfait. On a tout là. On a tout. Du coup, on va vite se coucher pour être à fond. Opération Méga Mylène. On va pouvoir commencer à enregistrer des chansons, je pense, après. Allez. Donc après le pipi, le bain, la télé. Je lui ferai bien travailler sa créativité quand même pour se refaire un petit peu des sous en plus. Mais bon, on verra plus tard. Hop, un petit peu de confort. Et là, c'est parfait. Vas-y. Voilà. Appeler taxi. Aller à Studio City. Il y a un studio photo ici aussi. Bon, c'est pas grave, on va aller là. Là, on sait qu'il y a un studio photo au moins. Ta-ta-dam. Ah, allez. Je me sens complètement vaine. Marine est de passage. Après on pourra faire des défilés de mode, tout ça, c'est parfait. Je sais pas ce qu'on fait, je pense que l'étape d'après c'est vraiment enregistrer les chansons au niveau de la célébrité. Un petit environnement urbain. Bonjour, bonjour. Oui. Oui. Alors, énergique séduction artistique. Allez. Non, c'est pas énergique. C'est séduction, mais c'est pas artistique. On va essayer dans l'autre sens. Artistique, séduction, énergique. Donc c'est séduction. Séduction. C'était trois séductions. Voilà. Quel style. Yes. Félicitations Mylène Farmer. Grâce à votre récent succès à Studio City, votre standing progresse dans l'hit parade des stars. Vous avez acquis un niveau supplémentaire. Et apparemment on retourne faire une série. D'accord. Eh ben, on va vite aller voir ce que ça donne. Tant qu'on est encore un petit peu en forme. Allez, zou, vite. Cette fois-ci, ça va pas être pour une publicité, ça va être vraiment joué dans la série. Donc la série médicale, là. Hop. On va jouer une scène d'héritage. Allez.
Alors, dramatique, dramatique, dramatique. Donc c'est pas dramatique qui veut. Pas du tout. Donc, il est pas content, c'est pas triple dramatique. Bon, allez, triple suspense. Donc suspense, ça c'est bon. Ouh, ça va être bon ça. Suspense. Un fan déchaîné. Ça y est, l'horrible fan déchaîné. Donc double suspense mais comique à la fin. Alors par contre j'ai pas regardé ce qu'il fallait au niveau charisme à fond et physique encore. Et on est bon par contre en points. Vous voyez, le nombre de points a changé parce que chaque jour le classement des stars évolue. Et donc Sibyl a gagné des rangs. Donc ça rapporte plus de points. Par contre si Sibyl chute, nos points chutent également. Ah, là, ça c'est le relou qui va nous énerver et nous harceler jusque chez nous. Ça a l'air pas mal. Allez, ça rapporte combien? Très bien, on va diffuser ça, il y a mieux mais on va faire avec. Ah, on n'est pas très bien payé. On peut lui demander de se barrer. Joue une scène d'action. Allez. Faut que tu y arrives, Bichette. Hein. Ça devient de plus en plus dur, on a de moins en moins le choix. Et après, c'est vraiment une question de chance hein, de réussir à trouver le plus vite possible ce qu'il attend. Vas-y, vas-y. Cause toujours. Alors, on va faire comique, dramatique, suspense. Donc c'est pas comique. C'est pas dramatique apparemment. Mais c'est pas suspense. Non, c'est pas du tout ça. Donc, dramatique, suspense, comique. Donc c'est pas dramatique. Donc suspense en premier. Ah, ça l'a fait de bon ça. Donc suspense, suspense. Et le troisième est pas bon. Attends, j'avais fait comment? Donc suspense, suspense et dramatique. Ok, bon, pas terrible. Allez, on va retenter une dernière fois. Ah, je suis trop en colère pour jouer la colère. On va manger un bout, au moins c'est gratuit, voilà. On va tester, voir si on utilise les toilettes et tout. On va faire un petit pipi, allez, petit pipi. Est-ce que là on peut retourner? Elle fait la vaisselle dans les toilettes quand même, c'est un peu triste. Trop fatigué, ok, bon. Je sais, allez on va rentrer. On sait bien, on a bien progressé quand même. Séance photo. Ça y est, on va commencer à être importuné par les gens du coup parce qu'on devient célèbre. Oh
Donc notre vie va commencer à changer à partir de maintenant. J'ai encore m'écroulé de fatigue avant d'arriver à mon lit. Faudrait que je rapproche l'entrée. Enfin, le lit de l'entrée. Ah non, c'est bon. J'ai réussi. Avec 500, qu'est-ce que je pourrais acheter avec 500? Bah ouais, non, ce sera pas assez. Même en termes de lit. Je vais pas le prendre. Je sais pas combien il peut me rapporter. Ouais, ça améliore juste le... Ouais, j'aurai jamais assez de sous. Il n'y a pas vraiment de lit qui fasse lit de star. On lui mettra un lit cœur vibromatique. Ah non, énergie, c'est pas assez pour l'énergie, tiens. Même celui-là... Lui à baldaquin, il privilégie... on mettra un lit tradition, du coup. On lui fera une maison un peu gothique à Mylène. Poète, poète. T'es bon? Qu'est-ce que... Oh, j'avais cru voir le fan. C'est peut-être un voisin qui passait. Des fois, il dépose des fleurs, des roses noires devant la maison. Ah, oh, super. Décidément. Donc, les factures qui augmentent, évidemment... Donc créativité par contre pas besoin encore, hein. Là ça va être vraiment charisme et physique. Allez, on va se finir le charisme avant, parce que le physique ça épuise. Je peux même pas te regarder dans un mur. Je t'ai dit de regarder la télé. Oh, mais si, il est là. Il est là. Mon dieu. C'est glauque. Il prend des photos de la maison. Il a laissé des fleurs là. Oh là 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 là. Vite, réponds. Savez-vous tricoter? D'accord. À 2h30 du matin. Pas me laisser des cadeaux, mais me laisser des trucs bizarres là, le mec. This is a venue. Allez, vite comme ça, on va vite passer ce passage de série télé. C'est long, hein, le charisme là, fou. Déjà prêt à me recoucher. Enfin, elle est bossée là. Sinon ça va faire trop longtemps. Pas négliger notre amitié aussi avec Sibyl quand même. Je vais le prendre un chien de garde. Ça, il va attaquer le fan. Ah ouais, vie sociale c'est pas terrible. Minuit 26. Fais un peu de sport. Ça va te fatiguer. On va se coucher vite fait, se rendormir.
On va se remettre de très bonne humeur et on va appeler Sibyl. Allez. Voilà, là on est bon. J'ai l'intention de pas avoir un bon poisson rouge, mais c'est plus intéressant. T'as bien raison, ma petite Sibyl. Discute un petit peu en attendant qu'elle arrive. Alors donc là, Sibyl est même tellement célèbre. 5 points, je crois que c'est le maximum. Hein. Elle doit être au top de la... Bah oui, c'est 5 étoiles. Donc tac, 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 tac. Oh, là, avec ses fleurs. Donc du coup, c'est une des plus célèbres du moment. Donc on a vraiment bien parié. Merci pour la fleur. Réconforter. Parler de passion, voilà. Il n'y a pas en lacet. Regarde la télé un petit peu avec elle. Ah bah c'est bon. Elle le fait d'elle-même. Bon, ça diminue un petit peu. Enlacé amicalement. Au revoir, enlacé. Un petit hug. Et on va à Studio City. Voilà. Oula. Elle bug un peu là. Elle se fonce dedans. Et bah c'est parfait. Vie sociale, on est à 100 avec notre amie célèbre. Formidable. Tiens, j'ai payé les factures ? Je ne sais même pas. Allez, retour au boulot. Il nous restera un point de charisme et terminer le physique. Je pense qu'à la prochaine session, on pourra du coup monter de niveau. C'est bien d'être tranquille un petit peu avec les niveaux de célébrité. Il va falloir qu'on se fasse un autre ami célèbre du coup. Donc c'est pas la quantité là qui compte, hein, c'est vraiment la qualité des amis. Par contre, dans le jeu classique, hein, vous en souvenez, pour la politique, c'était vraiment la quantité. Il me fallait trop d'amis, il va m'en falloir encore trop à nouveau avec Lou et Florent, mais bon. Il faut aussi que Julien, Aurore, tout ça, Jean-Baptiste, reviennent un petit peu s'occuper de leur personnage. C'est prévu, ne vous en faites pas. Je sais que vous me l'avez réclamé dans les commentaires. Alors. Allez, scène d'héritage. Alors, allez, allez, allez. Donc c'est Team Vista, c'est plus Tête Vision. Ouais, vas-y, blablabla. Bla, bla. Allez, c'est moi la star. Comic, suspense, suspense. Donc comic, c'est bon. Pas suspense. Oh, on a du bol. Donc, comique, dramatique, suspense. Y'a que celui du milieu qui est pas bon. Allez, dis-moi que c'est ça. Oh, ça va être bon. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Du deuxième coup, ça va nous faire des sous. Il est vite fatigué quand même. Bah, c'est vrai qu'on a fait des trucs avec Sibyl avant et tout, donc on n'est pas allé directement. Combien ça va rapporter? Combien? Allez, vas-y, balance. Bon, c'est pas très joyeux, mais bon. Pourquoi une musique triste alors que... 222, bon, je trouve ça pas mal. Du deuxième coup, quand même. C'est un peu exigeant. Je me demande si c'est pas un bug de musique, quand même. Mettre une musique triste à chaque fois là-dessus.
Tchoup, tchoup, tchoup. Allez, dramatique, suspense, suspense. Donc c'est pas dramatique. C'est pas suspense. C'est suspense à la fin. Comique. Dramatique, suspense. Donc c'est comique. C'est dramatique et c'est suspense. Parfait. Est-ce qu'on peut deviner ce qu'il demande à travers son... À travers son speech au début, enfin son explication. Est-ce qu'il y a une façon de le reconnaître? Je vais essayer de voir selon ses comportements. Je sais pas, hein. Peut-être que oui. Ça se trouve, j'ai jamais su. Ou alors c'est purement aléatoire. Faudrait que je me renseigne, tiens. Donc là... Il a pas l'air comique, là. Deuxième. Ah, je crois pas, hein. Il y avait rien qui avait l'air comique, donc triple dramatique pour voir. Pas sûr que ce soit en lien. Ça, ça a l'air intéressant. Dramatique, ouais. Non. Donc, j'essaie de tester dramatique, suspense, suspense. Donc dramatique, suspense et suspense. Tiens, peut-être qu'on peut retrouver selon son, sa gestuelle au début. Ouais, mais c'est... pourquoi être aussi négatif? Moi, je trouve ça bien. Hein. On dirait qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle, alors que bon. Je sais que t'es fatigué, mais tu peux m'en faire un dernier. Allez. Alors, attends. Là, il se lève. Vous voyez, c'est pas la même gestuelle. Écoutez, dramatique. Suspense, dramatique, dramatique, pour voir. Non, alors pas suspense. Ça n'a pas l'air d'être bon non plus. Ok, donc c'est pas du tout bon. Donc c'est pas suspense, dramatique, dramatique. On va faire dramatique, comique, comique, pour voir. Donc c'est comique. Ah, il voulait trois comiques. Ouais. Non. Comique, comique, suspense. Hop là. Voilà. Allez, on va rentrer. Bon là on va se taper que 100 simflous par contre. Mais c'est pas grave, on a eu peur. 200 quand même, ah bon, ok. Allez bichette, on rentre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des trolls de gestuelle. Alors, avec tous ces sous, je peux acheter un lit à 1005. Ça améliore quand même. Allez. Et peut-être des lumières quand même aussi. Doudoup, doudoup, doudoup. Voilà. Je vais mettre une applique murale plutôt. Celle-là, j'adorais. Bon, ça va pas avec le mur par contre. C'est un truc tout simple. Allez. Voilà.
au dodo. Bon, il m'énerve lui, hein. Casse-toi, je suis chez moi. Il fouille mes poubelles en plus. Pourquoi il prend des animaux en photo dans mon jardin? Oh, cette télé qui marche toujours. Allez, on va travailler le charisme et le physique comme ça pour la fin de l'épisode. On passera au niveau supérieur. Hop, on regarde un peu la télé. Faudra qu'on invite Sibyl. On va juste parler au téléphone avec elle. Allez! Allez, vas-y! Le point de physique, c'est parfait. Allez, plus qu'un point de charisme aussi. Ah, par contre, t'as tout à faire en charisme. A girl! Ok. On va papoter. Allez, on papote. Vie sociale, c'est un peu mieux. On va tenter avec Mia. Ou Martial. J'aurais dû regarder dans l'annuaire, voir qui... Brigitte, allez, Brigitte. Comment ça va, Brigitte? Oula. Ok, Brigitte. On s'énerve pas. Éteins-moi ça, ça m'énerve. Voilà. Et au dodo. Dans le nouveau lit. Pourquoi les gothiques ils m'aiment pas? Qu'est-ce que je leur ai fait comme connerie encore la fois dernière? Je ne sais plus. Bon, y a un chat dans ma chambre, ok. Allez, redine un petit peu. Pour être vraiment à fond. Voilà. Vivement qu'on achète aussi un nouveau frigo. Allez, vas-y, tu peux le faire. Voilà. C'est quoi? Fais une sieste. Enfin, fais un petit dodo. Ça donnera le temps de tester. Voilà. On appelle Sibyl. Ah, on est bien, bien productif là. On l'invite. Mais on s'entend trop bien avec Sibyl maintenant. Ah, voilà. Sert le petit déjeuner pour Sibyl qui est toujours au top niveau là, de la célébrité, donc c'est parfait. Comme ça, on va papoter avec Sibyl en mangeant. On sera en pyjama, c'est pas très grave. Et juste après, tac, Studio City. Téléphone. C'est important de répondre. On s'en fout du cadeau. Pose-le par terre, va répondre. Cours. Je sais pas, peut-être un agent, un contrat, un cadeau, j'en sais rien. Allez, annonce la bonne nouvelle. Ouh, un célèbre éditeur de jeux électroniques vous offre 350 Simflouz pour votre collaboration dans le domaine des trucs et astuces de jeu. Bon, pourquoi pas. Ça fait plaisir.
Ah, c'est bon, on est de bonnes copines maintenant. Je peux déjeuner en pyjama devant une célébrité, ça va. Allez, papote. Pourquoi vous papotez pas? T'as une femme de ménage. Viens regarder la télé, allez. Parler de passion. Voilà, c'est amicalement. Faire un compliment. Au revoir. Enlacer. Bon, les deux ont bugué, elles ne veulent pas s'enlacer normalement, mais c'est pas grave. Bon, la femme de ménage, faut un petit peu améliorer. Le fan dehors et tout. Vivement qu'on a assez de sous pour prendre un majordome. Hein. Par contre, faut vraiment qu'on gagne bien notre vie. Je vais attendre d'être à fond. Ok, c'est bon. Éteins cette maudite télé. Et va en pyjama. Allez, on s'en fout. On va bosser en pyjama, moi je suis une star du pyjama. On a tout, hein. On a tout. On a bien fini le charisme ou pas? J'ai un doute. Oui, c'est parfait. Allez, joue en pyjama, ça va t'inspirer. Avec Tonya Vigor. Vigor. Allez, triple dramatique. Bon. Pas terrible. Oui, dramatique en deuxième. Allez, suspense, dramatique, suspense. Donc on a suspense. On a dramatique. Ok, suspense dramatique comique. Et voilà, est-ce que ça va être suffisant pour nous faire passer à la suite? Oui! Félicitations, Mylène Farmer. Grâce à votre récent succès à Studio City, votre standing progresse dans le hit parade des stars. Vous avez acquis un niveau supplémentaire. Et ben c'est parfait, on peut enregistrer des chansons maintenant. Et ben, aucune raison de ne pas y aller tout de suite. Allez, on va ailleurs. Et vous avez vu, on a changé de limousine. Elle est un peu plus classe désormais. Alors, où est-ce qu'on pouvait enregistrer déjà? C'est ici. C'est là. On y va tout de suite. Ok, alors, par contre, créativité, là. Faudra bosser la créativité et le physique, toujours. Et il nous faut 7 points. Ça commence à devenir sérieux, hein. Allez, un morceau de dance. Là, on peut faire de la musique. Ah bah tiens, Sibyl, qui nous fait du karaoké. Enfin non, qui chante plutôt. Allez, avec Steve le Dur. C'est bon, on a encore un petit peu de temps pour en faire. Ça nous fera des sous. Alors, normal. Oh mon dieu. La musique donc. Ok, donc normal c'est bon. Ça va être encore bon. Normal. Cool. Et ça va être bon jusqu'au bout. Ah non.
Le troisième est pas normal. Dommage. Alors, normal, normal, harmonieux. Allez. Pas mal fait leur truc, hein. C'est bon, c'est encore bon. Et bah voilà. Des sous, ça nous fait des sous. Parfait. Oui, c'est tout à fait ça, il y a le rythme, il y a tout ce qu'il faut. On va en tirer quelque chose de très bien. Eh ben merci beaucoup. Combien ça me rapporte? 333. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Maintenant je passe au rock. Dépêche-toi, hein. Tant que t'es encore de bonne humeur. Il est bizarre, Ferdinand. Alors, du rock. On va nous le faire comment? On va faire exagérer au maximum. Allez. Bon, c'est pas ça du coup. Ok, le deuxième est bien exagéré. Donc, exagéré en deuxième. Harmonieux, exagéré, harmonieux. Allez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok, harmonieux. Non, pas harmonieux. C'était normal. Donc on a normal, exagéré. Donc normal, exagéré, normal. Très bien, bah voilà. Et voilà. Eh bah dis donc, c'est pas facile d'être célèbre. JB, JB, Jam. Eeeh, bidi, 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 bidi. Bon, je pense qu'elle sera pas d'assez bonne humeur pour retenter un truc après. Merci. Tant mieux. Pareil que la troisième fois, c'est la bonne. Les ingénieurs arrangeront tout ça, mais il faut les payer, vous savez. Et là, vous voyez, il n'y a pas de musique. Bizarre. 300 quand même. Hein. 300, 300, 300. On va tester, mais à mon avis, ça sent le « je suis de mauvaise humeur ». Je suis une star, je ne veux pas. Oh, tu te calmes, toi. J'ai pas le moral, je vais sûrement perdre ma voix si j'enregistre maintenant. Ok, bon bah très bien, maintenant elle fait sa petite diva. On rentre. Donc faudra qu'on se fasse de nouveaux amis, hein. Nouveaux amis célèbres. Oh là, Sibyl, ça redescend. On la réinvitera. Comme à l'Ansna. Allez. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous l'allez me...
Retour à la maison, on a 1300. Donc ce qui est pas mal, ça me permet de changer. On va prendre celui à 1000. Ou alors les plaques. Tout, tout, tout. Allez, on va prendre celui-là. Voilà. Il reste 500, mais je crois qu'on a les factures à payer. Oui. Pour 500. On va même rajouter une lampe dans le salon. Voilà. Mais voilà, petit à petit, ça nous fait une jolie petite maison. Oulala. Pourquoi c'est sale? Et où? Je vais virer la femme de ménage, hein. Elle fait du mauvais boulot. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Mylène s'en est encore une fois bien tirée et elle progresse bien dans la célébrité. C'est une bonne nouvelle. La lampe ne s'allume pas, ok, pas de soucis. Voilà, nous sommes premier rôle maintenant. Il nous faudra 7 points de célébrité parmi nos amis. On va se faire des amis. La fois prochaine, je pense... Je pense qu'on repartira avec Florent et Lou, un petit peu pour varier. On viendra bien sûr avec Mylène dans un épisode de prochain. Et également deux nouveaux habitants qui devraient emménager dans le quartier et mes amis qui vont revenir jouer avec leur sim, bien évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à tous de vous abonner. Vous êtes quasiment 1200 sur la chaîne actuellement. Je vous remercie. N'hésitez donc pas à rejoindre le grand groupe, à liker, à commenter, à partager si ça vous a plu, bien sûr. Et à cliquer sur la description de la vidéo pour découvrir plein d'autres let's play. Il y en a plus de 70 sur ma chaîne, mais aussi des unboxings de Playmobil ainsi que des tests de jeux de plateau. Il y a tout ça sur ma chaîne, donc voilà, n'hésitez surtout pas. On se retrouve très très vite, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!